Du coup, ça c'est quelque chose de noble. Alors on a mis le nom du Kessa parce qu'on considère que notre cuisine c'est vraiment une cuisine très raffinée avec des plats internationaux, beaucoup de fusion, quelque chose que McKinsey fait pour l'instant Tanza. Et c'est pour ça qu'on a mis le nom du Kessa. Bon, la valeur ajoutée, premièrement personnelle, une équipe qui sera de même aidée en Espagne. Chef cuisinier, c'est un chef uruguay. Deuxième dialogue, c'est un italien. La salle, on a une sommelière brésilienne et un chef de salle, c'est un espagnol avec un camion avec beaucoup d'expérience. Et à part ça, on travaille avec des produits de la haute qualité. Et le conservatif, on a vraiment des plats avec beaucoup de travail derrière, avec beaucoup d'élaboration. Donc là on est à la Duquesa, donc le nom il est magnifique déjà. On est très contente, vraiment très très contente d'avoir un établissement comme ça à Tanger. J'ai pas de nom, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots à dire, j'ai pas de mots. Il faut venir, il faut goûter. Tout est raffiné, les cadres pour commencer, les cadres, on a un cadre magnifique. Très bien soigné, avec des vrais professionnels. Et puis quand on est à table, c'est vraiment la table, c'est vraiment le restaurant à table. On peut apprécier vraiment, vraiment les plats. Chaque plat, il a des saveurs différentes et tu n'as pas envie de finir ton dîner. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bravo pour les propriétaires, bravo pour les gens qui ont créé ces petits lieux sympas, agréables et surtout, j'insiste, surtout avec des professionnels. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent à Tanger et on est très contents. Et je vous invite à venir tous à déguster les plats qui sont magnifiques à la Duquesa. صراحة التواجد ديالي هنا في لا دوكيسا لأن سبق لي وكليت فيه لأن كيكون قبل السوفت اوبنين باش كيجربوا لي كليون زعما لا كاليتي ديال هذا لو ريستورون وعرضت فيه اون ديليغاسيون ديال لي جورناليست اسبانيول اي بورتوغي اللي كانوا الأسبوع الماضي هنا معنا باش كرينا مع الجمعيه المغربيه الصحافه الرياضيه لا كوميسيون وليك البروتوكول داكور ما بين الصحافه المغربيه والبرتغاليه والاسبانيه في افق 2030. يعني صراحه مطعم اللي يمكن لي نعتبره انا بعيدا عن اي اشهار اضافه كبيره بالنسبه لمدينه طنجه لان المستوى ديالو ولا كاليتي ديالو سي ان ريستورون غاسترونوميك في طنجه. سي ديليكاتيسين كما قال لي الاعلامي الاسباني خيسوس الفاريس. يعني صعيب يعني تاكل في ان ريستورون بحال هذا صراحه. وحتى يعني الصديق ديالنا ياسر اللي مول هذا المشروع يعني ليفور والجهد اللي بذل باش يعطي المدينه ديالو لانه طنجاوي مطعم في هذا المستوى برافو عليه. يعني صراحه برافو برافو برافو، مطعم من مستوى يعني كبير ونتمنى انه يلقى ومتاكد انه يلقى نجاح كبير.